peut avoir plusieurs significations. Il faut comprendre que ce terme Angbassa, Mbok, veut dire d'abord, ça peut être un endroit, ça peut être un espace, ça peut être, en fait, dans le sens du Mbombok, il faut comprendre le Mbok comme étant la nature, comme étant l'univers. Ouais. La nature, comme vous entendez, hein, mais justement, dans un sens plus large, jusqu'à l'univers. C'est-à-dire la connaissance de la nature, n'est-ce pas, par les ancêtres. Et ils ont pris beaucoup de temps. On peut dire que c'est une sorte de civilisation, n'est-ce pas? Bon, parce qu'en fait, la traduction d'une langue dans une autre est très difficile. Ouais. Mais c'est l'ensemble des connaissances que nos ancêtres ont enregistrées pendant très longtemps. Je ne peux pas savoir exactement depuis leur origine. Donc c'est une histoire sûrement de plusieurs millénaires, peut-être des millions d'années, voire plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est depuis leur prise de conscience, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont accumulé comme connaissance, comme intelligence, comme expérience, n'est-ce pas, comme observation, c'est ça ils ont condensé dans un contexte qu'ils appellent le Mbok, la connaissance du Mbok. Et en quelque sorte, c'est-à-dire, je suis obligé d'enchaîner un peu pour vous dire que le Mbombok est donc le détenteur, n'est-ce pas, le dépositaire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est chargé de la conservation et de la transmission de ses connaissances. Donc. Généralement, c'est par la tradition orale. À la tradition orale, parce que depuis fort longtemps, nos ancêtres ont arrêté d'écrire. Pour quelles raisons, je ne peux pas vous dire exactement, mais travaux archéologiques, des travaux des historiens pourront nous ramener exactement à retracer le fil. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, l'écriture n'est qu'un mode de transmission de la connaissance. Il y a plusieurs modes. Il ne faut même pas penser que le mode écrit est forcément le meilleur. Non, on ne peut même pas tellement les comparer. Il y a plusieurs façons de s'exprimer ou de conserver, de transmettre la connaissance. À transmettre de la même façon, comme je vous ai dit au début, c'est une tradition orale dans son essence, c'est une tradition orale, c'est-à-dire votre parrain, n'est-ce pas, qui vous initie et vous parle, vous entendez, n'est-ce pas, oui, et vous montre, vous faites, il fait le rituel, vous voyez. N'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire, il y a une partie qui est d'abord théorique de la transmission, elle est théorique, et une autre partie qui est pratique. C'est-à-dire, le Mbok, ce n'est pas de la connaissance comme à l'école occidentale. Hein. C'est-à-dire, vous entrez en classe, on vous parle, n'est-ce pas, de la maternelle hein, à l'université, et puis un jour, vous aurez l'occasion d'aller pratiquer sur le terrain. Non, ici, c'est pas ça. C'est que, oui, on vous dit, et puis on pratique. Lors de l'initiation, on parle et on pratique. Oui, c'est concrètement. Oui, c'est pas la théorie, c'est pas la philosophie. C'est... non. C'est quelque chose de pratique. On vous montre comment faire. Et on vous explique pourquoi ce qu'on est en train de faire. Quand on dit des confréries, il faut comprendre ça comme des ministères, avec des fonctions. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, lorsqu'on vous dit le Mbombok, aujourd'hui, en fait, le Mbombok était donc le chef de cette administration. Il avait un rôle en même temps administratif, judiciaire, il défendait
la population de l'intérieur comme de l'extérieur contre toute menace, des menaces sur les biens ou les hommes, n'est-ce pas? Il avait des lois qu'il suivait, qu'il respectait. Donc, il pouvait juger des litiges et administrer des sanctions en cas de besoin, concilier des parties qui étaient en confrontation. Donc, c'était un peu ça. Donc, le Mbombo n'était donc pas un chef autocrate qui faisait tout seul. Il avait des auxiliaires, voilà, des collaborateurs. Ce sont ces collaborateurs qui étaient organisés en confrérie. Je vais vous citer quelques confréries. Je vais vous dire que le Mbombok travaillait avec quelqu'un de principal qu'on appelait le Oum. Enfin, la confrérie s'appelle Oum. Le prêtre du Oum, lui, s'appelle Oum. Le Oum, n'est-ce pas, ou le Oum, s'occupait tout particulièrement des choses de la science et de la religion dans son contenu traditionnel. La science, la religion, l'art. Parce que c'est dans le Oum que vous retrouvez des choses comme toutes les réalisations artistiques, n'est-ce pas? Oui, oui. Les danses, les chants. Les danses, des chants, n'est-ce pas? Voilà. Il y a une autre confrérie principale, aussitôt à mettre à côté du Oum, c'est la confrérie des femmes, qu'on appelle le corps. Corps. Oui, oui. Qui peut avoir son explication en français, qui est l'escargot. C'est parce que l'escargot porte sur sa coquille quelque chose que je vais vous dire, vous allez vous rappeler tout de suite. L'escargot du corps a le dessin de l'harmonie. Ouais. Ouais. C'est l'harmonie entre le bien et le mal. C'est l'harmonie entre le plus et le moins. En quelque sorte, peut-être plus loin, je vais vous dire, si vous observez des choses aujourd'hui, comme le mouvement d'un ouragan, oui, cette forme hélicoïdale, n'est-ce pas, elle est représentée jusque dans des galaxies, n'est-ce pas, c'est une forme de l'univers, n'est-ce pas, qui est le résultat de la confrontation entre deux forces. Ouais. Et aucune des forces ne l'emportant sur l'autre, alors ça forme une spirale. Donc, une frontière entre les deux forces, c'est ça qui donne la spirale. C'est ça. Tout à fait. Donc, cette confrérie qui est réservée aux femmes s'appelle le corps. Mais je dis, il ne faut pas la confondre avec l'escargot. Le rapprochement avec l'escargot dans cette histoire, c'est la coquille et autre chose. Il y a autre chose que je vais vous dire. L'escargot est un animal, comment on appelle ça ? Hermaphrodite. Voilà. Alors, les femmes, n'est-ce pas, dans le corps se suffisaient. C'est-à-dire, les femmes n'ont pas eu besoin de deux ou trois confréries ou neuf confréries comme les hommes. Elles en ont eu une seule et elle est suffisante. Ouais. Chargée de la procréation et du maintien de la vie. Voilà. Vous savez quel est le rôle de la femme chez nous. C'est une confrérie extrêmement importante, n'est-ce pas? Sans laquelle peut-être nous ne serions plus là aujourd'hui.